YouTube. Enchanté. Enchanté, je suis Jeanne. Jeanne d'Arc, la reine Jeanne, la bâtisseuse de ville, actuellement malade, mal nourrie, plus consomption. Maladie de la faim. Depuis que ce personnage est presque mort de faim, il n'est plus le même. Sa peau est marquée par les plaies et son corps et son esprit se sont affaiblis. Alors ça, c'est parce qu'on s'est baladé et qu'on n'était pas bien. On va essayer de s'occuper de ça. Parce que bon, c'est vrai que ce serait dommage. Prendre du poids. Les faiblesses de mon corps sont de plus en plus perceptibles. J'ai à peine la force de passer la journée. Un régime alimentaire contenant, entre autres, beaucoup de lait, de beurre et de dattes m'a été suggéré. Je pense qu'il est temps de l'essayer. Apportez beurre. On va essayer de prendre du poids. On va essayer de prendre du poids. Oh, mais attendez. Titre de royaume requis, 2. J'en ai actuellement un. Pas de problème. On va créer le... Ah, pourquoi on peut pas créer le royaume d'Aquitaine d'ailleurs? Ah, parce qu'il a été intégré. Il n'existe plus. Eh bien, création du royaume de Bretagne. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes reine de France et reine de Bretagne. Est-ce que ça nous suffirait pas pour basculer impératrice de France? Jeanne l'impératrice? Ça me plaît cette histoire. Création du titre. Vous êtes maintenant l'impératrice Jeanne de France. Un nouvel empire est né en Europe. Un deuxième empire même, parce qu'au final, il y en avait, enfin, à part l'empire byzantin, à la limite, bon, trois. Mais t'avais le Saint-Empire romain et c'est tout. Le troisième empire arrive. Nous sommes officiellement impératrice. Vos couleurs. On lui a envoyé un SMS. Il l'a reçu. Donc, il nous rejoint. Alors, vos couleurs, comptez de vos couleurs qui appartient au duché de Bar. Duché de Bar, vassal de l'empereur. Ça ne nous intéresse pas. On va envoyer notre petit. Pat... Oh, il est dégueulasse. Mais on n'a pas le droit de le tuer. Hein. On est Jeanne, on ne tue pas. Perte d'opinion vassale. On peut pas le vassaliser? Proposer la vassalisation. C'est un roi. Double roi en plus. Déclarer la guerre. S'emparer de toutes les terres de Jure. Forcément, puisque nous sommes empereurs. Ah, quel plaisir. Dauphiné viennois. On s'empare de toutes les terres de Jure. Virons la Bourgogne. Après, on usurpera le titre. Et les Bourguignons, pour avoir aidé les Anglais. Juste les hommes d'armes. Subiront également. Oh là là, mais on a deux armées d'élite. Subiront également la colère de notre Seigneur. Variole de Robert, propagation. Attends, 6 ans, t'en fais un tapis et puis c'est tout quoi. 6 ans de durabilité, il nous le file. On va pas faire une collection, on va bientôt pouvoir ouvrir une boutique là. Rouen. La baronnie de Rouen. Qui tombe? Lyon. Beaujeu, Villars, Lyon. Ah, il n'y a pas de baronnie. Elle est ici. Quoi? La baronnie de Lyon. Où sont les troupes ennemies? Un soutien populaire. La baronnie de Dreux. Oh, il me file un lapin! Mais merci, mon bon baron. Un lapin et 387 pièces d'or. Ils sont sympas, ces gars.
Ok. Je pense que je vais aller chercher l'armée ennemie. Hein. C'est qui ce gars-là, là? Guerre de libération contre la Provence. Oh, les sièges sont tellement rapides, en vrai. On va passer par là, non, de préférence. Ah, un point en érudition. Apprendre sur le tas. Encore un et on a faille juridique. Et vu l'argent qu'on a, ça va être de la conquête massive. Hein, en vérité. Un ordre hors de Santiago a été appelé. Oh là, le Maghreb a besoin d'aide. Ah, bon, c'est la révolte du peuple. Il s'est marié. Oh, quelle humilité. Se marier avec quelqu'un hideux. Tu mérites ton titre de roi. Bravo. Il ne joue pas sur le physique. T'as le droit d'envoyer des troupes, hein. T'étais en guerre déjà? Ah, t'étais déjà en guerre. Ah, contre Valence. Ah, d'accord. T'étais en guerre contre Valence, tu perdais. Et c'est quoi les objectifs, hein? Le contre-adulte devient le vassal de Romateux. Ah, c'est pour un comté. Païen! Un homme à la fois serein et avisé. Mais bienvenue. Écoute, moi j'aime les gens qui aiment les chiens. Aucun problème avec ça. Ok. Tu as combien d'assassinats depuis le début? Alors attends. Pas beaucoup, hein. Je crois qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Le duc d'Anjou. Qui veut devenir mon pote. Non, on peut accepter. Combien d'assassinats j'ai fait? Normalement, on n'en a pas fait beaucoup. Tué dans une bataille, assassiné, tué dans un duel, a été tué dans un combat. Voilà. Vous n'êtes plus mal nourri. Ah, bah voilà. Par contre, on y est toujours malade. On peut du coup arrêter la décision de prendre du poids. Ah, mais on n'a plus la consomption. Oh, c'est extraordinaire. Alors, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. On garde la cape là, comme ça. Enfin, le couvre-chef. Ouais. Oui. Hein. On tient l'objectif là. Mais je ne tiens pas l'objectif. Je suis pas pris la capitale en fait. Du royaume de Bourgogne. L'innovation sapeur. C'est pas à Lyon? Combien? Ouais. 600 hommes, ça va. Le chemin de la gloire. Des chants appelant à la guerre sont scandés dans tout le pays. Mes vassaux avides de gloire me pressent de faire couler le sang de mes ennemis et de nous apporter une gloire prédestinée. Leur soutien est inextinguible. Maintenance de l'armée en or, moins 15%. Bon, déjà, là, elle est élevée. Je gagne 316, alors bon. Tant pis, je vais pas chercher la capitale. Feu impératrice. Feu de l'impératrice de Jeanne. Encore? Attends, mais. Pourquoi toutes les maladies, ils ont mon nom? Très compétent dans son métier. Ça m'intéresse pas. J'ai 19 000 pièces d'or, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Accepté.
Dispersion des troupes. Ah, c'est pas si mal. Il est pas parfait, mais il est pas mal. Monte ton royaume. Ah voilà, bah justement, pile poil. C'est le royaume de France. Alors, tac tac, il faut absolument aller usurper le titre de royaume de Bourgogne. Qui mériterait d'être roi de Bourgogne? Le duc de province de Burchard, 43 ans. Très peu de piété hein, au final. Après tout ça c'est moi malheureusement. Donc, je vais mettre sur le trône de Bourgogne une personne un peu patrié. Païen. Homme sage, païen, mec qui vient d'arriver, il va devenir roi. En fait, j'aurais bien mis quelqu'un de... Oh, mais c'est un génie. J'aurais bien mis quelqu'un qui a... Bon, sinon, je garde le titre. Je peux aussi garder le titre. Je me crée le duché. Ça, c'est le royaume de Bourgogne. Tiens. Ah, t'es quoi, toi? T'es dévot serviteur. Tu t'es auto-flagellé. Ouais. Ouais. Pas fan. Ça peut être une belle guerre. Petite guerre contre l'empereur là. Allié à qui? Au Jutland? Au Danemark? Ça peut être une belle guerre. Je t'améliorerai ton hospice là. Est-ce qu'il y a une épidémie qui se propage de manière un peu intensive? Et ça m'inquiète un peu. J'ai les moyens, je m'en occupe. On aide la Bretagne. Qu'elle se rende compte que certes, elle a été soumise à la France par la force. Mais la France ne fait pas ça juste pour la gloire. Elle fait ça aussi pour les aider. Oh, Lorient. Bah, je vais te faire un hospice. Lorient qui vient d'être construit. Léon! Pas d'hospice ici. Elle s'est fait Nantes. Assistance aux épidémies plus 12. Passe à plus 15. Ok. Ah bah je suis blindé. Retourne ici, étudier durement. Ah bon? Mais ça fait plus de 4 ans que j'ai fait l'université là. Non? J'ai l'impression que ça fait quand même plus de 4 ans, moi. Je comprends pas trop, là. Mais bon. Tu peux être sous le pape? Proposer la vassalisation. Transférer le vassal. Bon, il veut pas être vassalisé. Je pense que je vais attaquer Enrico. Superstitieux, mal nourri, dirigeant absent. Étrange réclusion. Je vais attaquer le Saint-Empire.
suis obligé pour reconquérir les terres de France. Je cherche après. On va lever tout. De toute façon. Ah mais par contre, je suis passé impératrice. On va se remettre un petit trébuchet là. Ça nous empêche pas de... Ça coûte plus cher, mais quand on est blindé... Oh, les hommes! L'armée est déjà là! Jade! On a besoin de toi sur le front! Montre-leur! La grande bataille entre l'armée de l'impératrice toute nouvelle. Impératrice. Oh, en plus, on vient de passer notable. La toute nouvelle impératrice de France, Jeanne d'Arc, la pucelle bâtisseuse de ville, face à l'armée de l'extraordinaire Saint-Empire romain, l'une des plus grandes puissances du continent. On est parti. Ils fuient comme des lâches. Une armée exterminée. Une armée. Oh, bah c'est l'empereur. Une deuxième armée exterminée. Et c'est gagné. On a chopé l'empereur. Bon, ah, c'est coup de bol en vrai. Parce que bon. Quand tu chopes l'empereur. Écoute, combien l'empereur si on veut le libérer là? Ça, c'est un conseil que je donnerais aux nouveaux joueurs. Si vous êtes sûr de gagner et que financièrement vous êtes en galère, quand vous capturez le gars, libérez-le. Parce que derrière, du coup, il te donne de l'argent. Tu continues la guerre, tu gagnes. Si tu perds pas d'argent, évidemment, faut faire le petit calcul. Parce que ça vaut le coup. Du coup, t'as gagné de l'argent parce que tu l'as libéré. Plus t'as gagné la guerre. Donc, bon là on va pas le faire, moi j'en ai pas besoin. On va simplement signer et récupérer ces terres. Guerre expéditive. Tout dispersé. Pas mal mais pas parfait encore. Hein. Il va falloir encore récupérer l'Alsace et la Lorraine. Bon, on va finir tout ça. Hein. Duché de Savoie. On usurpe le titre. On usurpe le titre. Ok. Bah, du coup, c'est moi qui récupère chaque comté. Là. Et tout ça, ça appartient au royaume de Bourgogne. Évidemment. Donc là, il va nous falloir trouver quelqu'un à qui donner ça. 28, 28, 35, 36, 30. Conseil 36 35, bah c'est déjà l'intendant. On a un 28 ici. On a un 28 là. La bourgmestre de Chaumont. Alors Chaumont. Duc de Haute-Bourgogne. Ok. Du coup, Bern. On va filer Bern à William. On va filer Bern à William. Et toute la Transjuranie. Cadeau, William.
Genève. Toi, t'as déjà une terre, c'est dommage parce que bon, sinon je te l'aurais filé. Maître espion, vassal. Bon, un païen, vas-y, un païen. Païen, je te file la Savoie. Cadeau païen. Parce que tu es sage. Je t'offre ces terres. Très bien. Comment il s'en sort, lui? Il survit. Mais il a vendu des terres. Non, il a perdu des terres. Je sais pas. Payer la rançon. Oui, bien évidemment, on libère la petite. Arrêtez avec tout ça, les gars. Grand tournoi. Ici, on peut attaquer le Dolce Resina. Vassalisation forcible. On peut vassaliser pour récupérer la côte et notamment. Pardon, Nice, c'est déjà fait. On pourrait vassaliser Gênes. Mais voilà, après, là, tu vois, on est dans une situation où du coup, tout devient trop simple. C'est ce que je vous disais. Il y a un moment où après, c'est un peu facile. Je suis charitable. Je rançonne tous ceux qui peuvent être rançonnés. Et je libère tout le reste. Trop de duchés possédés. Ça, on peut parfaitement s'arranger parce que effectivement le viennois, j'en ai pas besoin en vérité. Je vais filer Lyon à quelqu'un. J'aurais presque dû recruter quelqu'un dans ce que j'ai. Bon, tant pis. Un noble de culture française. C'est bon. Hop là. Il est pas si mauvais. Oh bah c'est même un bon chevalier. Et ben je vais t'accorder les titres. Du viennois. Je vais regarder ton niveau de chevalerie. On froid. De toute façon, c'est 14, je suis bête. Non, c'est en commandant plutôt qui aurait été intéressant. Avant-garde et fanatique. Créer la distinction. Ok. Et là, on peut encore en faire une autre. Avec Geoffroy. Brave et discipliné. Créer. On n'a pas de successeur. On va recruter Arthur. Forcer chevalier. Voilà. Très bien. Moi, je suis quand même équilibré. 22, 24, 24. On est good. Bon, on va s'aller à tour de bras là, du coup, ou pas? Là, si je vassalise ici, après je vais pouvoir vassaliser là, là, puis après là, puis après là, puis après c'est la conquête de l'Italie. Quoi. C'est ça le truc. Herboriste. Bah ouais, en fait, c'est ça le problème là. Hein. Même le roi d'Angleterre, au final, on pourrait le vassaliser, non, non. Par contre, avoir un quinquin qui a des revendications sur le royaume, en tant qu'impératrice, là, ça pourrait être pas mal. Merci beaucoup, bienvenue. Thibaut, merci pour le follow. Merci pour le follow. Catherine d'Angleterre. Et l'épouse et la concubine. Payer ses frais. Je me fais un petit plaisir. Je me fais un petit plaisir. Écoutez, on est obligé.
J'ai obtenu très herboriste. Et un Reginald est arrivé à la cour. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà, voilà. Un peu trop fort. Bon, après, on est en trêve, hein, donc on va pas le faire maintenant. Mais en fait, là, c'est un peu trop fort, quoi. On pourrait presque, du coup... Après, il n'y a pas de royaume à l'intérieur, là. Il n'y a pas de royaume. Ah si, il y a un royaume de Frise. On pourrait faire pareil partout, en fait. Genre, il y a un royaume dans l'Empire byzantin. Est-ce que... Gouverdora... Thème. Thème, c'est quel niveau, ça? C'est le niveau de duché. Il n'y a aucun royaume dans l'Empire byzantin. Rien de mieux que de regarder Roy en mangeant des pop-corn. Ah, bon appétit. Tu veux pas récupérer la Jastwine? Évidemment que si. Évidemment que si. Non mais là, le souci, c'est qu'on n'a pas... Enfin, on est en trêve. Mais tu fais bien de le dire parce qu'on va tenter une revendication quand même sur... sur la région, quoi, tout simplement. Et je suis en trêve pendant combien de temps avec le Roder, en fait? J'ai jamais eu ça. Les rues de Bruges sont devenues silencieuses. La mort a lancé son fléau sur cette métropole autrefois prospère. La peau des personnes infectées est rouge et recouverte de pustules. Les démangeaisons incessantes donnent lieu à un nombre incalculable de cicatrices et les yeux des malades sont injectés de sang. Les gens appellent déjà cette maladie variole impériale romaine. Pas une âme en ville n'a échappé à cette terrible maladie qui continue de se propager au sein de la classe noble. Une épidémie est proche de votre pays. Apocalyptique ! Gravité de l'épidémie. Une épidémie peut être apocalyptique, majeure ou mineure, ce qui affecte sa zone de propagation, sa durée, et les personnages qui en sont infectés et dont le nombre, et donc le nombre de morts. Alors on a un très bon médecin, donc on va faire confiance. Vous perdez 250 de légitimité. On a un bon médecin. On a un bon médecin. On a un bon médecin. Oh, pop, pop, à Bruges, là. Putain, mais c'est chez moi, en plus. Améliorer l'hospice. Améliorer les hospices. Vite. Investissement massif. Oh, putain, il n'y a pas d'hospice. Investissement massif. Limiter la propagation au maximum. Beaucoup d'hospices, les gars. Bon, là, c'est pas chez moi, donc ça va être difficile d'améliorer l'hospice. On est déjà au niveau 6. Là, on est déjà au niveau 6. Salut à Dominem, merci beaucoup. C'est quoi cet événement? Ben, je pense que c'est le genre d'événement... Ben, c'est le niveau 3. Comme il y a eu là-haut, là. Mais qui équivaut à la peste, quoi. Faudra voir le nombre de morts qu'il va y avoir. Faudra voir le nombre de morts qu'il va y avoir. Isoler la capitale. On n'isolera pas la capitale. On reste auprès de notre peuple. Quoi qu'il en coûte, nous serons à ses côtés. Oh, oh, toutes les côtes de la Manche sont touchées. Wow. Wow. Je te refais un hospice ici, ça t'embête pas?
On a un hospice. On n'a pas d'hospice en Île-de-France. Hein. Ah si, mais c'est déjà amélioré. Mais on n'en a qu'un seul, quoi. Waouh. Ça peut faire très mal. Hein. Combien de morts? 4. 18 décembre 1290. 4 en quelques mois. 10. On va voir en un an. Oh merde, mon maître espion. T'es plutôt bon en plus. C'est marrant parce que ça suit les fleuves. Enfin, pas là, tu vois, mais. Ah non, mais c'est la frontière, c'est un ballon. Mais ça suit les fleuves. Oh putain, ça fait peur. La map est rouge sang. Votre salle, la duchesse de Christian est impressionnée par vos conquêtes. Merci. Merci beaucoup. Ça aussi, c'est nouveau. Il n'y avait pas ce genre d'interaction avant. Où l'IA était impressionnée par ce que tu faisais. J'imagine pas, sur ma partie Comte de Boulogne, à quel point ils auraient été impressionnés. Qui l'aurait cru? Ok. Morts. On va voir en un an combien de morts il y a. Pénalité catastrophique, pénalité grave, perte de redoutabilité. Et du coup, là, moi. Ah non, ça va parce que j'étais quand même pas mal. 500, ça fait mal, mais c'est pas si grave. On va voir. Le sanglier blanc. Oh non, elle s'arrête. Vous avez vu, elle est en train de disparaître, je trouve. Un parfum curatif. Bon, oh, bah, je paye, hein. Un seul, ça ne peut pas faire de mal. Oh, je paye, hein. Tout ce qui peut nous aider. Ah non, c'est que. Le cœur bat. 160 morts. Le duc Geoffrey a emprisonné un de vos sujets. Pourquoi t'as emprisonné quelqu'un, toi? Ok. Bon, on va voir. J'ai pas encore vécu de vraies grosses épidémies. Oh la vache, en Hongrie. J'ai pas encore vécu de vraies grosses épidémies qui vraiment se propagent, genre la peste noire, quoi. Parce que, bah, en fait, on a rarement joué aussi loin depuis qu'il y a le gameplay épidémie. Parce que je joue rarement aussi tard mes débuts de partie. Traverser Canavese revient à assister à une épouvantable symphonie de souffrance humaine. Le fléau s'est abattu sur cette métropole autrefois prospère. Où que l'on aille, on ne peut échapper au bruit incessant de la toux et les crachats des personnes infectées. Leur sang coagulé tachant leurs vêtements. Les gens appellent déjà cette maladie consomption. Attends, mais il y a quoi? Il y a une consomption en plus? Appelez un médecin. Bon, on a déjà un médecin, donc. On va voir, hein. Décembre. 203 morts. Presque un mort par jour. C'est pas si dramatique que ça. Tu vois. On n'est pas sur une épidémie. C'est pas la peste noire. Madame, les efforts aumônes. Déployés pour venir en aide aux malades et aux mourants parmi les pauvres représentent un travail difficile mais nécessaire. Dernièrement, les familles des mourants ont commencé à accuser la couronne de ne pas s'occuper suffisamment des malades. Je pense que vous devriez distribuer des pièces touchées et bénies par vos mains royales pour atténuer ce sentiment d'injustice. Bien sûr. Alors, avec plaisir. Écoutez, bah, si je peux aider le peuple de France, je l'aiderai. Sachant qu'en aidant le peuple de France, nous aiderons également le peuple du monde. Ah si, il y a consomption, j'ai une double épidémie. Double épidémie dans le pays. Oh!
On a la faille juridique. Ce qui veut dire que là, officiellement, on peut l'otharyngie. Bah non, parce qu'il faudrait que le TIN soit créé. Ça, c'était un peu galère. Et par exemple, la Bohème, on peut dire salut. J'achète le royaume pour 1000 de piété. Ah bah non, royaume on peut pas, c'est que duché par duché par duché. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement, en vrai. Artef me donne une épée. Oh, elle est très belle épée. Merci beaucoup. 7 de prouesse. Elle est pas dégueu, hein. Elle est pas dégueu, hein. Mais ce sera mon épée. Set de prouesse. On est à 59. 59 à 130 ans. Hein. Imaginez. Moi j'ai l'impression que ça s'étend plus. Comté de Nancy. Je veux plus que ça. Au passage, je vais aller voir le pape. Je vais finir 4500 pièces d'or pour s'empiéter. Ok. T'arrives à Paris, t'es pas malade, hein? Avec tout ce qui se passe en ce moment dans le pays. Fais gaffe, hein? Bien que vous déteniez le royaume de Bretagne, il est clair que pour tout le monde que c'est moi qui le gouverne, c'est plein. C'est pas moi qui détient le royaume. Ah bah si, c'est moi. Je le revendique, vous pouvez m'accorder le titre quand vous souhaitez, sinon je suis sûr qu'il me reviendra en temps voulu. Bah pardon, je pensais pas que c'était moi qui avais le titre, moi je te le donne. Hein. Y a pas de problème. Hein. Y a pas de problème. C'est cadeau, chère jeune reine de Bretagne, blessée en plus. Aucun problème, je ne sais pas pourquoi je l'ai récupéré. Ouais, lui il est un peu nul, de toute façon. Confiant à les gens contents. Pardon. Pour le trésor de guerre. Garde l'or, garde ton or. Des vieux ou de l'or? Attendez, parce que là, l'or est l'âme d'un pays, et ce sont les marchands qui apportent une grande partie de leur richesse. Toutefois, l'épidémie de variole impériale romaine continue de se répandre dans ce pays. Et Antoine m'a apporté des missives provenant des provinces côtières où le commerce est florissant. Nous pouvons contrôler cette épidémie, madame. Affirme Antoine d'un aplomb certainement fin. Demander à tous les marchands de s'isoler avant d'apporter leurs biens sur les marchés permettra de nous assurer qu'ils ne sont pas infectés. Comme l'épidémie de peste à Marseille en... je sais plus quelle année. Où ils avaient laissé les marchands sur l'île avant d'arriver sur le continent. Quarantaine. Poser une quarantaine stricte. Pendant 10 ans, pendant 15 ans. Tous les vassaux propriétaires fonciers mineurs perdent 20 d'opinion envers vous. Ouais, c'est pour le pays. Hein. 1720. La variole hongroise, c'est beaucoup étendu. Ouais, ouais, c'est ce que j'avais regardé. Oh, waouh. Mais tu vois, ça suit la fleuve. Heureusement, nous, on a réussi à limiter. Ça s'est pas propagé sur Paris. Ah bah si, ça arrive. 83-36. Compendium pharmaceutique. C'était 1720 peut-être, ouais. C'est la dernière épidémie de peste noire sur le territoire de France. Ouais, c'est ça.
C'était celle-là dont je parlais. Et d'ailleurs, il y a une émission, je crois que c'est Secret d'Histoire qui en parle. Non, c'est pas Secret d'Histoire. C'est, je sais plus, mais très intéressant. J'ai beaucoup appris lorsque vous étiez médecin. J'ai notamment observé de nombreux traitements censés combattre l'épidémie de variole et leur effet sur le corps. Pour obtenir un artefact. Mais très bien, bah je paye, hein. L'artefact pharmacie de Benoît. Alors, ça peut me plaire, hein. Je vais pas vous cacher. Je me dirais celui-là et mettre celui-là. Hein. Merde, du coup ça me remplace l'autre. Ça c'est un peu chiant. Sceptre de vainqueur. 306 morts. Hein. Comté de Boulogne, 3 baronnies infectées, 3. Taux d'infection. Comté de Guine, 87%. Ah ça y est, on a débloqué la grue. Il faut abattre les moutons. Faites quelque chose, d'autres rapports arrivent en provenance de la grande cité de Lisieux, tandis que l'épidémie de variole romaine continue de sévir. Mais ça, c'est vraiment un événement qu'on n'a jamais eu, hein. Trop bien, ouais. Réginald, qui m'a apporté personnellement les dernières missives, tape du poing sur mon bureau. Les gens s'attendent à ce que nous fassions quelque chose pour les aider, insiste-t-il dans un grand geste de la main. J'ai déjà connu ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est éliminer une partie de ces sales animaux qui infestent la région. L'affliction ne durera certainement pas sans eux. Satisfait de son discours, Réginald se jette en arrière pendant que je réfléchis à sa proposition. Telle est la volonté de Dieu. Il faut abattre les moutons. Abattage désastreux, 52% de chance. Le truc, c'est qu'on ne voit pas forcément de supplice ignoré. Vous êtes sûr de vous, Réginald? Moi, t'en sais rien du tout, Réginald. T'as 8 d'érudition. C'est à peine si tu sais lire. Non, non, je ne peux pas t'écouter, Réginald. Ne sois pas ridicule. Impossible. Par contre, Gru. Il va dire amélioration. Ah, c'est déjà fait. Bon. Cité. J'améliore mes cités. Au bureau des baillis. Département de philosophie qui améliore la résistance aux épidémies, quand même, c'est pas si mal. Bon, 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 hein. Pas de résistance aux épidémies. On met vers le temple. Ok, j'ai 1200 pièces d'or. Poste vacant, conseil ma vassale, la duchesse m'a fait l'honneur d'une visite. Salutations, impératrice, quel plaisir de voir. Quoi, Évrard de Trenel? Qu'est-ce que c'est ce gars-là? Ouais. Bon, merci. Maréchal. Duc de Transjuranie. Bon. 322 morts. Après, c'est pas une épidémie massive. Hein. Boulogne s'en est sorti. J'ai l'impression que c'est fini la propagation. Geoffrey m'a envoyé un cadeau. Un mouchoir avec les armoiries et des avenelles dessus. Peut-être. Waouh! 450 pièces d'or. Je veux plus que Nancy, moi je veux un duché. Ça risque de propagation 100% et pourtant ça a pas.
Merci beaucoup, bienvenue Arda. Bienvenue à toi. En même temps, il est nul. Comment veux-tu qu'on récupère un duché avec un gars à 8? Quel âge il a? 34 ans. Quelqu'un complote contre moi. Ah ouais? Personne m'a jamais souhaité mon anniversaire d'ailleurs. 131 ans, les gens s'en fichent. 338 morts, 339. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mon intendant est mort. Vous avez hérité du duché d'Auvergne. Ah bon? T'avais pas d'enfant? Ah bah il est mort. Ah merde. Bah merci. Ah attends, avant de refiler ça, du coup, duché d'Auvergne. Duché d'Auvergne. "27. Bah voilà, Evra. Tu m'as filé 450 pièces d'or. Permets-moi de te filer. Bon, ça c'est que j'ai le duché du Languedoc aussi, moi. Je comprends pas. Parce que j'ai Béziers encore. Ouais bon, je garde. En attendant, on a pris un pont là. Tac. L'épidémie s'arrête. Ouais, c'est bon, on est en train de repousser l'épidémie. Traitement non orthodoxe. Nous ne profanerons pas ces corps. On est en train de la repousser l'épidémie, tout va bien. Enfin, ça a pas fait si mal que... que je pensais. Presque un peu déçu. Par contre, on est en 1294. Ça veut dire que normalement, on a fini notre traité de paix avec les Anglais. Et donc, on peut appuyer Reginald. Obtient le titre contesté et deviendra mon vassal. En plus, il m'adore, quoi. Je suis même pas encore... Je l'ai même pas encore aidé. Ah, il est excommunié. Moi, j'y vais quand même. Toujours mieux d'avoir un excommunié sur le trône d'Angleterre qu'un Anglais. Même si c'est le même. Hein. Irlando-Normand. Oh, c'est pour le plaisir d'attaquer l'Angleterre, hein, évidemment. On va à Boulogne. Débarquement à partir de Boulogne. Direction la capitale. L'heure du renouveau. L'épidémie ayant enfin quitté le pays, nous devons en profiter pour nous remettre du chaos qu'elle a laissé dans son sillage. Nous émergeons des décombres de l'ancien monde et le moment est venu d'envisager le futur. Des groupes de survivants ont déjà commencé à se rendre à Comté d'Anjou, leur nouveau havre de paix. C'est peut-être l'occasion d'établir une nouvelle capitale. Anjou? Vous obtenez le comté d'Anjou. On tient la nouvelle capitale pendant 10 ans. Mais pourquoi je récupérerais le duché d'Anjou? Il ne faut pas lésiner sur les dépenses pour la reconstruction. Tu vois, c'est sympa. L'événement est sympa, mais il n'a pas été si dramatique que ça au final. Là, tu sais, t'as le truc, ouais, ça y est, les mecs, ils ressortent enfin de leur terrier. Ils regardent ce qui se passe dehors, il y a des cadavres partout. Bah en vrai, il n'y en avait pas tant que ça. C'est un événement qui fait peur comme s'il y a eu 5 millions de morts, alors que bah non. Quelqu'un veut me voler? Bah ouais, n'hésitez pas à voler des pots. Des pots de bait. Donc un peu déçu. Arrêtez, filer des pots, quoi. Proposition sensuelle, Geoffrey, pardon. Eh, je viens de te... Ah non, je t'ai pas nommé compte. Ah ouais. Arrêtez de me draguer, s'il vous plaît. Respectez Jade.
21 000 hommes. J'envoie pas toutes mes troupes. On est à 63 000. Les criminels peuvent être graciés. La reine Christelle, pour adultère. Je lui accorde mon pardon. La comtesse Carlotta, je lui accorde mon pardon aussi. Trop de duchés possédés. Languedoc. Oh, j'ai fini le Languedoc. Qui m'aime le plus? Pas toi. Ok, c'est pas si mal. Oh. Bah, c'est marrant. Vu que tu m'aimes, je t'offre Albi Béziers et le duché. Merci de m'aimer. On a pris la capitale. Une quantité de baronnie là. Vous n'envoyez pas vos troupes là à m'attaquer? Comté de barre, bah. Après, j'aurais pu accepter à chaque fois hein, les comtés. Hein. Comme ça, je fais revendication sur toutes les terres. D'un coup. On attaque les Anglais. Jeanne! Face aux troupes anglaises. Toute l'armée anglaise. Face à l'armée d'élite française. Les Français ont laissé leurs paysans sur le territoire. Pour ne pas déstabiliser l'économie du pays. Mais c'est une victoire. En vrai, on est beaucoup trop fort. Ça, c'est un peu dommage, en vrai. Qu'on ait une telle puissance. Pas de siège à faire là-bas. Excusez-moi. Et c'est une victoire. On appuie. On peut devenir un aventurier. On appuie les exigences. Et boum! Salutations, impératrice Jeanne de France. Que la paix soit avec vous. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne pensais. Afin de mettre fin à cette évolution de sang, je vais accepter vos demandes. Et voilà. Conquête complète. Conquête complète. Les héritiers de Charlemagne. Conquête complète de l'Angleterre. Ça fait toujours plaisir. Ah, par contre, du coup, on peut attaquer qui, là, j'ai vu? On peut créer le royaume d'Irlande. On va créer le royaume d'Irlande. Allez, on crée le royaume d'Irlande. Qui même, là, en Irlande? 72, 62, 62, 52. Ranger. C'est fou d'être aimé alors que je viens d'arriver, quoi. Tu deviendras donc officiellement. Tu viendras, quoi? Tu deviendras donc officiellement roi d'Irlande. Nombre sur eux. Encore une épidémie. La dysenterie eudoise. Et du coup là, normalement, si je viens là, duché de Bar, lui, je peux acheter une revendication sur le duché de Frise de Bar. Pour 500, ouais, boum boum. Et on n'a pas fini. On peut demander une revendication, il refuse, ok. Acheter une revendication. Oh, duché de Frise, on va pas le faire.
Duché du Luxembourg. J'ai déjà une revendication sur le duché du Luxembourg. Non, juste sur le comté. J'ai pas de revendication sur le duché. Acheter une revendication sur le duché de Luxembourg. Bon, ça sent piété. Ici, la Haute-Lorraine. Acheter une revendication sur la Haute-Lorraine. L'Alsace. Acheter une revendication sur le duché d'Alsace. Voilà, ce qui veut dire que là, si je repars en guerre contre lui, je fais ça, boum, je récupère tout ça. Et c'est là où, tu vois, après, l'intérêt de continuer est assez limité. Parce que j'ai plus qu'à faire ça, là. J'ai 7800. 7800, je peux faire encore combien 14... Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Si, c'est ça. 15. Je peux encore faire 15 duchés. 15 duchés. Ce qui fait que je peux prendre quasiment la moitié du Saint-Empire romain, quoi. C'est pour ça qu'après, l'intérêt est limité dans le fait de continuer... Bon, le Yémen, incroyable en vrai. Hein. Dans le fait de continuer quand t'es devenu aussi puissant, c'est que, bon, en fait, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Hein. Tout simplement. Bon, on se refera peut-être un live dessus quand même. Histoire de voir quoi. Érudit. Histoire de voir. Mais je pense qu'on poussera pas plus. On fera un dernier live et puis on s'arrêtera là sur cette aventure avec Jeanne. On fait un dernier live histoire de conquérir officiellement les frontières françaises et plus. Et oh bah tiens, on est installé là-haut aussi. Et ce sera très bien quoi. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. C'était le Viking du coup sur Crusader Kings 3. Pour cette aventure avec Jeanne d'Arc, on est devenu surpuissant. Prochain live, on attaque le Saint-Empire. On utilisera toute notre piété pour récupérer un maximum de terre, je pense. Et puis voilà. Après, on sera officiellement le plus puissant du monde. On l'est déjà, d'ailleurs. On l'est déjà. Et je pense même que s'il y avait un gameplay de Europa Universalis. Où tout le monde peut se lier face à moi. Je pense qu'il n'aurait pas les moyens de me battre. Tu peux finir en muté en unissant les églises catholiques pour Jérusalem un objectif à la fois. Ça peut être une idée, ouais. Complètement. Aller récupérer Jérusalem, on peut le faire. On pourrait le faire. Carrément. Carrément. Bah on fera ça mercredi du coup. Mercredi, prochain live. Merci YouTube. Ciao ciao. Et bah peut-être que YouTube, vous n'aurez pas vu la vidéo encore, mais voilà. Bisous YouTube, merci à vous. Ciao.